Oh non mais, ah oh, c'est un nuage. Mais c'est trop stylé. C'est trop stylé. C'est un nuage qui, où il pleut des TNT. Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Bon, en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors oui, j'ai oublié de changer de skin, alors vous allez pouvoir encore apprécier mon joli visage pendant cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle map faite par Maël, le génie des abonnés. Il m'avait fait une map avec des TNT de malade. Et aujourd'hui, il revient avec 6 nouvelles créations explosives. C'est parti. Transition cochon. Alors du coup, voilà, je me suis connecté, je suis arrivé ici, information. Il est gentil, Imperial Leader. Je sais pas. Petite dédicace à Capato447 pour lui faire plaisir. Il a rien fait. Ah bah bon, ça c'est la dédicace du bon copain, hein. C'est ton pote qui travaille, c'est toi qui chope les dédicaces. Je t'ai mis du super plat et du normal pour tester. Qu'est-ce que c'est que ça? What? On dirait un trou noir, c'est quoi ce truc? What? What? Mais je suis où? Mais c'est incroyable! Attends, c'est. Non! C'est une zone qui te téléporte. Mais c'est incroyable, il n'y a même pas de plaque de pression ou quoi que ce soit. Attendez, il y a peut-être des indications ici. Non, je pensais que c'est toutes les TNT. Et j'ai fait un peu beaucoup de terraforming. Merci TNT inversé. Je vais pas finir la montagne non plus. Après tout, c'est long. T'as tout à fait raison. Alors du coup, voyons voir les différentes flèches. Voilà, donc là, c'est les flèches dont il m'a parlé. Tu me l'avais demandé, moi je l'ai réalisé. Alors effectivement, il m'a dit dans le mail que j'avais demandé un truc et qu'il l'a réalisé. Alors je ne sais plus du tout ce que j'avais demandé. Mais écoutez, on va voir ça à la fin. Voilà, donc j'ai hâte de savoir ce que ça va être. On a des informations ici. Je vais peut-être le prendre, ça peut toujours être utile. Qu'est-ce qu'elle écrit? Alors voilà. Ok, donc là c'est tout le spoil des trucs. Donc en fait, si je me souviens bien, voilà, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en gros, il faut que je mette les TNT que je veux tirer dans l'autre main. Et là, du coup, c'est une zone, c'est ça? Ah, c'est la zone multijoueur dont il m'a parlé. En fait, il y a un jeu multijoueur. Eh bien, écoutez les amis, ce qu'on a qu'à dire, c'est que là pour l'instant, je suis en solo. Donc, c'est très simple, les amis. Si cette vidéo atteint les 5000 pouces bleus, franchement, c'est vraiment, mais c'est tout à fait réalisable. Je compte sur toi. Si cette vidéo atteint les 5000 pouces bleus, je ferai une vidéo en live avec des abonnés. Avec des abonnés, voilà. Et pour participer, bah, c'est très simple. Je vais tirer au sort des abonnés. Pour cela, il faut que tu mettes un pouce bleu à cette vidéo. Que tu mettes un commentaire disant que tu es chaud pour participer. Et j'en tirerai au sort pour jouer avec moi. Et on tournera ça en vidéo. Et je le posterai sur la chaîne. Allez, sur ce, c'est parti pour aller tester nos petites flèches. Alors du coup, voilà, je me suis pas spoil. On va commencer tout de suite par la flèche explosive. Let's go. Lanceur de TNT. Attends, lanceur de TNT, genre, ça a détecté... Ça a détecté le truc? Lanceur de TNT. Ah non, non, d'accord. Ok, d'accord. Donc là, c'est juste le nom, comme ça. D'accord, donc flèche explosive. Je recharge ma flèche. Et là, du coup, si je tire, ça va tirer une flèche spéciale. Ah ouais! Et alors ça, c'est trop stylé. Mais comment il a fait? En gros, il détecte que j'ai un certain item dans les mains. Et après, il fait en sorte, du coup, que ça tire... Une flèche, mais avec des capacités spéciales. C'est quand même... Enfin, c'est trop stylé. De toute façon, c'est un génie, Maël. Maël, c'est top 5 des abonnés les plus talentueux de ma chaîne, clairement. Parce que vraiment, il y a toute une clique d'abonnés qui font des créations de malades. D'ailleurs, n'oublie pas aussi, hein, n'hésite pas à m'envoyer tes créations, tes mods, tes textures pack, tout ce que tu veux, tes maps au mail qui s'affiche, eh bien, en haut de l'écran, voilà, en intro et en outro. Vraiment, surtout, n'hésitez pas. Donc là, voilà. Donc là, on a la première flèche. Une flèche, donc, explosive. Un peu plus violente que la TNT, je crois. Hein. Ouais, ça me semble être un peu plus puissant. Très simple. Sympathique. Ensuite, nous avons la TNT inversée. Ah, ça, on la connaît, c'est une tradition. C'est une tradition dans le gang des TNT. C'est une TNT qui, tout simplement, plutôt que de faire un trou, eh ben, ça rebouche le trou. Voilà, tout simplement, là, ça l'a complètement rebouché. Et en plus, ce qui est trop stylé, c'est qu'à regarder ça, là, on a un trou en demi-sphère. Sauf que si jamais je faisais exploser la TNT à la base dans un trou avec une boule, eh ben, évidemment, ça aurait explosé tout autour. Sauf que là, évidemment, si je le fais précisément autour, eh ben, c'est pour ça qu'on a, en fait, bah... La sphère qu'aurait pété la TNT. Si je remplace ici la flèche par la TNT et que je vise ensuite le centre de la boule, genre par exemple ici, ça me semble pas mal, bah normalement ça devrait à peu près tout exploser. Regardez ça! C'est parfait au bloc près presque. Il y a quelques petits blocs qui dépassent, mais c'est exactement ça. C'est parfaitement bien calculé. Alors ensuite, on a le trou noir. Attends, ça je vais le mettre de côté. Le trou noir explosif, rien que ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc qui attire des blocs à l'infini. Wow! Wow! Attends, mais c'est trop stylé! Attends, mais. Mais il se passe quoi là? Ouah, ça me donne lévitation. Ouah, mais c'est trop beau. What? Il se passe quoi? Ouah. Oh, oh non, mais l'animation. Oh là là, l'animation trop badass. Oh là là, mais qu'est-ce que je kiffe. Mais qu'est-ce que je kiffe, Maël. Mais qu'est-ce qu'il est talentueux, cet abonné. Mais qu'est-ce qu'il est talentueux. C'est... Waouh. Ah oui. D'accord. C'est lévitation instantanée et ultra violente. D'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux, ok d'accord, c'était vraiment absolument instantané. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a la flèche...
Ah, rip les vaches. La flèche boule de feu. Eh bien, écoutez, on va tester ça tout de suite. Mais avant, je vais quand même prendre quelques œufs de vache. Ça pourrait être utile pour plus tard. Alors là, du coup, on a la boule de feu. Qu'est-ce qu'il dit? Lance une boule de feu. Ah non, non, pas spoil. Ok, donc là, piouf. Donc là, ça lance. Waouh. D'accord, donc ça lance une boule de feu qui fait des dégâts instantanés, puis des dégâts de zone, puis un énorme trou complètement enflammé. Ouais, non mais là, non mais le suivi de tous les dégâts qui se font progressivement, franchement, c'est trop stylé. Et surtout que là, j'ai l'impression que là, au niveau de la machine, bah j'ai l'impression que tout y est, quoi. Là, on est quoi, sur quelques dizaines de commandes blocs, mais on n'est pas non plus sur des machines énormes. Alors évidemment, le code doit être extrêmement complexe. Regardez, si on prend par exemple juste au hasard, voilà, là on a déjà une commande qui fait une fois et demie la taille de la barre. C'est quand même badass, regarde ça, c'est quoi ces commandes, c'est du chinois, je ne comprends absolument rien, c'est absolument incompréhensible, mais regarde ça un peu la taille des commandes, tout ça pour chaque bloc, c'est un boulot mais incroyable. Ça vraiment, c'est le genre de truc, c'est en voyant ça que je me dis que, en fait, si ça se trouve, regardez ça. Si ça se trouve, en fait, avec cette série, franchement, je suis le seul youtubeur à faire ça, c'est une très grande fierté, cette série où je mets en avant des créations faites par des abonnés, bah en fait, si ça se trouve, non mais, la taille du truc. Et en fait, si ça se trouve, je crée des vocations de codeur, de développeur informatique, de développeur de jeux vidéo, et franchement, bah ça me fait trop plaisir, parce que non seulement je fais plaisir à des jeunes où je montre leur création et tout, et je développe un peu la créativité de ces jeunes-là, mais en plus, si ça se trouve, je crée des vocations, donc ça me fait trop plaisir. Donc voilà, ça c'est vraiment trop cool. Je me fais la remarque parfois, si ça se trouve, c'est pas le cas, mais en vrai, ça me fait trop plaisir. Alors là, on a une étoile filante, apparemment. Alors, voyons voir, est-ce que je peux le faire peut-être de nuit? Ça peut être peut-être plus joli. Slash time set night. Tac, voilà, alors attention. Étoile filante, fiu. Oh, c'est trop beau. Regardez ça, c'est une vraie étoile filante. Ouah, mais c'est une étoile filante de TNT. Ah, par contre, du coup, elle chute, sauf de l'autre côté. Ouah. Oh, c'est trop satisfaisant. Oh, c'est trop satisfaisant, vous avez vu? Regardez ça, c'était une arche. Oh, faut que je le refasse. C'était une arche de TNT, où en gros, comme ça fait pile poil deux moitiés de TNT, et bah du coup, ça fait une arche qui, comme si ça se repliait petit à petit. Regarde ça, je le refais. Oh, c'est trop satisfaisant. On dirait que c'est un serpent. Oh, c'est un serpent. Non, c'est bon, tout juste. On aurait dit un serpent qui plonge dans le monde Minecraft. Trop, trop stylé. Oh, d'ailleurs, ah non, c'est bon, plus de TNT. Ok, très bien. On va tout de suite enchaîner avec la pluie de TNT. Alors là, voyons voir. Je suppose que le nom parle pour lui-même. On est d'accord? Tiens, on va voir un peu la taille du trou du business là. Ah oui, d'accord. Ah oui, je m'attendais genre un petit creux quoi, mais non, effectivement, ça allait jusqu'à la bedrock. Et en plus, ça aurait pu aller beaucoup plus profondément. D'accord, très stylé. Alors bah du coup, voyons voir la petite pluie de TNT. Attention, droit de... pluie de TNT. Donc c'est la même chose, sauf que là c'est à partir du moment où c'est le plus élevé que... Oh non mais... Ah, c'est un nuage. Non mais c'est trop stylé. C'est un nuage où il pleut des TNT. C'est littéralement un nuage de pluie de TNT. Non mais c'est trop stylé. Non mais c'est génial. Oh là là, c'est tellement cool. Mais c'est infini en plus. C'est infini. Oh mais quel génie. Eh franchement les amis, si vous n'avez pas encore mis un pouce bleu, ne serait-ce que par respect pour le créateur, c'est pas une histoire de faire le truc en multi et tout, c'est juste pour le créateur. C'est incroyable. Oh là 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 là, mais c'est tellement badass. Oh, c'est tellement badass, franchement. Et j'ai la meilleure commu. Non mais regarde ça, franchement. Qui a cru qu'un jour on pouvait créer des nuages invocateurs de TNT? C'est trop stylé. Parce que tu vois, genre, je pense que les développeurs qui s'y connaissent un petit peu, ils doivent dire oui. Créer un nuage de particules, c'est facile. Créer des TNT qui tombent du ciel à une certaine coordonnée, c'est facile. Faut juste générer des TNT à tel stade de l'explosion à un certain endroit. Mais le fait de penser à cumuler les deux pour créer un design, quelque chose qui ressemble vraiment à quelque chose, qui a du look, qui a de la gueule, qui a vraiment une personnalité, et bah c'est ça qui fait le génie, c'est ça qui fait la différence entre les personnes intelligentes et les génies. Et là, Maël, c'est un génie. C'est un génie. Il n'y a pas de débat. Vous pouvez pas dire que j'exagère, c'est la vérité. Allez, on continue tout de suite avec la spirale explosive, j'ai l'impression, d'après le nom du truc de miel. Alors du coup, je vais tirer comme ça, et si je tire comme ça... Waouh. Oh là là, oh c'est élégant. Aïe aïe aïe. Non mais c'est quoi ce truc? Oh là là. Attends mais c'est infini. Ah en fait ça suit toute la trajectoire de la flèche. Et ça fait une spirale de TNT jusqu'à ce que la flèche retombe. Et le pire c'est que ça lag même pas, je suis choqué. J'arrive à tenir le truc. Ah bah c'est bon, ça commence à exploser.
Non, mais c'est trop beau. Oh là là, mais c'est trop beau. C'est trop beau. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Et là, du coup, genre, ça s'arrête ou ça continue toujours? Ah non, ça s'arrête. Ça s'arrête au bout d'un moment et après, ça finit par exploser. Pouah, 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 la pluie de TNT. Oh là là, mais quel plaisir. Eh, hey, une fois de plus, GG Asus, hein. La team Asus, évidemment, la meilleure avec des ordinateurs du feu de Dieu qui supportent des explosions en furie. Oh là là, très 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 sympathique la spirale, vraiment très stylée, très déco, très funky. Là c'était quoi, TNT amorcé je crois? Je sais pas, j'ai... Attends, c'est quoi juste le nom? Hop, TNT compacté. Ah, TNT compacté, ça peut peut-être être intelligent. Si j'ai regardé, c'est pour savoir un peu comment la tirer. Alors là, je suppose que ça doit être comme ça. Ah oui, d'accord. Oh! Oh, c'est satisfaisant, en plus ça reste en plein milieu. Donc là en fait on est sur une TNT effectivement comme une TNT qui se divise, qu'on voit assez souvent dans les modes. Ok, d'accord. Et là on a le portail de... Qu'est-ce que c'est que ça? Portail de téléportation. Ah, d'accord, très bien ça. Ça du coup c'est le portail qui va me téléporter au portail le plus proche. Donc je suppose que ça va être peut-être le spawn. Si je passe là-dedans, c'est le... Oh, oh là 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 là, c'est trop stylé. Et du coup si je me téléporte là, je vais à l'autre. Oh, c'est trop bien. Du coup je peux plus aller en multijoueur parce que du coup le truc du multijoueur doit être plus loin. Mais c'est trop stylé. C'est hyper bien. C'est quand même trop trop cool. Après effectivement il faut bien contrôler là où tu vas aller, parce que sinon tu risques d'être piégé. Et si t'avais une base secrète avec tous tes diamants à un endroit un peu plus loin que les deux autres, bah là t'es coincé pour le coup. Sauf si t'as les coordonnées bien évidemment. Alors du coup voyons voir la surprise finale. Tu me l'avais demandé, je l'ai réalisé. Est-ce que c'est le drone? Je sais pas. Je sais que j'avais parlé d'un drone, j'avais parlé d'un agent GB. Mais lui ce qu'il avait fait c'était des TNT. Donc lui c'était vraiment le truc avec agent GB et tout. Je pense que ça devait peut-être en être 4 en mode fontaine peut-être. Oh! 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 What? 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 Ah oui, c'est ça, c'était la spirale. C'était le truc final où j'avais dit que ça serait trop stylé si c'était des agents GB qui lançaient en spirale les TNT. Bon, 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 il l'a fait. Il l'a fait. Ah, par contre, du coup, c'est pas ma tête. C'est pas la tête d'agent GB, c'est la tête que j'ai actuellement. C'est la tête du Derpy GB. Mais si je change mon skin et que je réapparais, ce sera des têtes d'agent GB. Non, mais trop stylé. Il l'a fait. Non, mais c'est tellement satisfaisant. Regardez. Waouh. Oh là là, c'est trop la classe. Transition cochon. Bon, bah, du coup, voilà, les amis. Que dire, une fois de plus, le génie Maël a encore frappé. Franchement, je compte vraiment sur toi pour bombarder la barre des pouces bleus et encourager Maël à faire plus de créations dans les commentaires pour vraiment que, bah, voilà, il continue à faire vivre cette chaîne par son génie. C'est vraiment incroyable. Il y a le lien juste en haut là de la vidéo si vous voulez aller checker sa chaîne. Et sur ce les amis, n'hésite pas à t'abonner à la mienne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, souriez, soyez la vie est belle. High five!